Bonjour, c'est Justin. Et aujourd'hui, j'aimerais parler musique un petit peu, et j'aimerais parler notamment de monodie et de polyphonie. C'est quelque chose de très très important, en tout cas pour si on veut comprendre un petit peu plus la musique qui nous entoure. Quelle est la différence entre une monodie et une polyphonie? En soi, c'est rien. C'est qu'une monodie, c'est quelque chose à une voix. Une polyphonie, en fait, c'est la même chose. Je vais prendre une mélodie qui s'en approchera un petit peu, mais une deuxième voix, ou éventuellement une troisième, une quatrième, une cinquième, parfois jusqu'à, j'ai vu des pièces jusqu'à 40 voix, même beaucoup plus, pour les pièces orchestrales, s'ajoute et crée donc des harmonies. Alors, créer une harmonie, ça veut dire par exemple, si je joue ça, c'est pas la même chose que si je fais. Oups, pardon, il faut que je change là aussi. Vous avez déjà entendu beaucoup de ça, notamment lorsque j'ai fait ma vidéo sur les dissonances et les consonances. Et donc voilà, donc c'est la différence. Mais souvent, ce que je joue ici est polyphonique, en tout cas c'est à deux voix, puisque je joue avec les deux mains et je fais souvent des mélodies et des contre-mélodies, etc. Mais on peut aussi tout simplement improviser une petite mélodie à une voix. C'est très très beau aussi. C'est un très fort encouragement indirect d'ailleurs que je vous donne à chanter tout seul lorsque vous faites la cuisine, lorsque vous prenez la douche, lorsque vous baladez. Chantez juste à une voix, laissez la voix vous porter. Et chantez, 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 chantez. Faire des choses merveilleuses comme ça. Je vais vous donner un petit exemple d'ailleurs. Et parfois j'y rajouterai une petite deuxième voix pour vous montrer un petit peu donc des contrastes entre la monodie et la polyphonie. Et je fais exprès de garder d'ailleurs une tessiture très réduite, une tessiture que vous pourriez chanter vous aussi. Voilà donc des exemples de polyphonie, de monodie et aussi parfois donc de polyphonie à une voix ou à plusieurs. À bientôt.